et le frère Armani. Gloire à Dieu. Quand je suis arrivé dans ce chapiteau, vite fait, j'ai vu l'accueil des frères. Le frère Joël nous a reçus dans sa maison. Quand je suis rentré, où j'avais un chien qui se levait, il nous a appuyé dans ses bras. Cela, c'est quelque chose de petit. Mais à combien il est bon d'avoir des frères. Amen. J'aimerais raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis jeune. Mes parents me donnaient tout ce que mon cœur désirait. Mais voilà que je ne suis pas né chrétien. J'avais des amis. Et tout ce que faisaient mes amis, je voulais le faire. Voilà que mon seul lien à moi, c'était la cigarette. Tout jeune, fume la cigarette. Et je demande pardon. Et quand il y avait un mariage, s'il y avait de la coke qui lui était proposée, je le faisais. Par cela, je n'étais pas lié. Ici, il y a le frère Tété. Quand on était païen, on se droguait ensemble. Et aujourd'hui, on est sous ce chapiteau en train de vous témoigner. Amen. Dieu est grand. Amen. Et voilà qu'il y avait un jour, j'étais avec un ami en voiture. Et mon ami, c'était un inconverti aussi. Il me dit, on va à l'église, il y a des frères qui prient. Alors ça m'a étonné cela. Je dis, pourquoi ils veulent prier? Je disais non. Il m'a dit, si tu viens avec moi, je te laisserai conduire ma voiture. Et simplement pour conduire la voiture, je me suis dit, mais on y va. Mais heureusement que ma pensée, ce n'est pas celle de Dieu. Parce que quand on est rentré dans l'église, il y avait beaucoup de jeunes qui priaient. Même mon ami qui était avec moi, il priait. Et moi, j'étais mal. Je regardais à droite et à gauche. Peut-être que tu es là parce qu'ils t'ont invité. Mais sache que c'est le moment de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'hasard avec lui. Et avant de sortir de l'église, j'ai descendu une onction. Quelque chose que jamais ressenti. Et cela m'a étonné. Alors quand je suis sorti de l'église, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que c'était. Parce que parfois nous sommes curieux pour les choses du monde, mais pas assez curieux pour les choses de Dieu. Alors j'ai voulu être curieux pour les choses de Dieu. J'ai cherché à savoir qu'est-ce que c'était. Un jour, je l'ai trouvé. Il a vraiment changé ma vie. J'ai donné vraiment mon cœur à Dieu. Amen. Je suis jeune, j'ai beaucoup de difficultés. Parfois, nous ne sommes pas à la hauteur. Mais ce qu'il est bon, c'est que Dieu nous aide. C'est pas toujours une vie, tout nous va bien. Si tu donnes ton cœur à Dieu, il va y avoir des combats. Il va y avoir des difficultés. Mais Jésus sera avec toi. Amen. Quelle grâce. Amen. Le serviteur va prêcher, c'est mon pasteur. Il va lancer un filet ce soir. Saisis-le. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.